Hey, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube avec Builderall en France et Builderall France Academy. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau tableau de bord qu'il y a mis en place avec la nouvelle version de Builderall, la version numéro 3. Alors restez bien accrochés, écoutez bien ce que je vais vous dire et comme ça, Builderall pour vous sera un jeu d'enfant, même si vous venez à peine de prendre soit un abonnement test, enfin un test simplement, soit un abonnement payant. Ok ? Donc là, je me suis connecté avec mon compte de test ici pour vous montrer qu'est-ce que vous allez sur quoi vous allez arriver quand vous allez arriver sur votre nouveau tableau de bord, sur votre nouveau dashboard comme dit entre guillemets aux USA. Vous savez, le lancement a lieu le 4 juillet et depuis aujourd'hui, depuis le 3 juillet, donc du coup nous avons le nouveau back office de Builderall 3.0. Donc là ici on sait pas trop où c'est qu'on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire, on n'en sait rien du tout, donc évidemment je vais vous expliquer ça maintenant. Ici, on a vos outils, au milieu de la page, on a vos outils, sur lesquels il y aura la possibilité d'avoir absolument tous les outils que vous servez le plus. Que ce soit les outils pour la création de sites web, les outils pour l'autorépondeur, pour la gestion et l'envoi des emails de votre email marketing, les outils pour la création de tunnels de vente, les outils, plein d'outils que vous vous servez habituellement. Et pour les mettre sur votre tableau de bord, c'est extrêmement simple. On va aller sur à gauche, sur gérer votre back office. On va cliquer dessus juste le temps que ça charge et vous allez voir qu'il va y avoir plein de petits outils. Vous allez atterrir directement sur la plateforme de gérer les outils où il va y avoir le glisser-déposer pixel parfait, le canvas. Si on fait un petit tour d'horizon de l'ensemble des outils très rapidement, les outils qui sont le plus important en tout cas pour créer son web marketing grâce à Builderall très facilement sur Builderall 3.0. Les outils, c'est le glisser-déposer pixel parfait qui va vous permettre de créer et d'éditer votre site web qui sera www.votresite.com. Le canvas qui est un outil pour créer tout simplement vos tunnels de vente, pour créer le squelette de votre site web de manière très facile avec des pages d'opt-in, avec des pages de remerciement, avec des pages d'accès membres ici pré-sécurisées, des pages d'e-learning et tous les tunnels que vous pouvez, du plus simple au plus compliqué, voilà tout simplement. L'autorépondeur Mailing Boss qui va vous permettre d'envoyer des séquences d'emails de manière illimitée, absolument illimitée, il y a zéro limite. La seule limite, c'est 10 000 prospects dans votre autorépondeur. 10 000 prospects dans l'autorépondeur. Donc du coup, il y a de quoi travailler correctement, sans aucun souci. L'éditeur de magazine, qui est la possibilité de créer ces e-books numériques et de les faire prévisualiser de manière professionnelle. Donc ça, c'est un outil qui est absolument nécessaire à installer. La plateforme de e-commerce tant attendue qui va vous permettre avec Magento de gérer tout le e-commerce grâce à Builderall aussi, donc ça c'est juste incroyable, surtout pour le tarif que propose Builderall, il faut vraiment pas hésiter à sauter sur l'occasion. C'est le e-commerce avec Magento 2.0 et c'est Magento qui gère après absolument toute la plateforme e-commerce. Donc Magento, ça fonctionne, hein. Pour ceux qui connaissent pas Magento, c'est un petit peu la même chose que Shopify, c'est un petit peu différent évidemment. Mais c'est le leader mondial du e-commerce, du dropshipping et tout ça. Hein. La plateforme de e-learning également, qui est importante également à installer sur votre bureau pour créer donc vos cours, hein, pour tous les infopreneurs. Il y a des modules, il y a des cours, vous pouvez tester vos élèves pour savoir s'ils ont bien compris ce que vous leur avez enseigné. C'est quelque chose d'assez développé et là ils ont sorti la version supérieure avec Builderall, la version 3, donc qui est normalement d'ores et déjà sorti depuis que vous regardez cette vidéo. La plateforme de webinaire très importante également, ça vous évitera de prendre soit du Webinar Jam, soit du Zoom. Alors on est bien d'accord, ce sera jamais aussi développé que Webinar Jam ou Zoom, hein, on est d'accord. Mais en tout cas, ça va vous permettre de faire du streaming en live jusqu'à 6 animateurs sur YouTube et sur Facebook également, et de les mettre en automatique, et ça de manière performante. Donc du coup, ça peut vous faire également économiser pas mal d'argent. Donc il faut vraiment en profiter. Le sitebot, bah, c'est un chatbot tout simplement, comme ManyChat, qui va vous permettre de mettre de faire en sorte que votre site web soit un petit peu plus user friendly, avec, vous savez, la petite notification qui arrive, comment puis-je vous aider aujourd'hui. Voilà, c'est assez sympa. La marketplace bien sûr pour
pour vendre vos produits en affiliation, sachant que cette marketplace va être automatiquement intégrée au checkout de Builderall. Donc tout est d'un seul clic, n'importe qui va pouvoir vendre vos produits en affiliation. Bon, il y a donc les maquettes pour faire du design, la possibilité de faire des présentations professionnelles, vous le verrez, c'est un petit peu des images qui défilent, les vidéos animées, les vidéos flottantes, ça je vous laisse vraiment le truc de regarder, les notifications de navigateur, donc ça c'est assez sympa, ça veut dire que sur votre navigateur il va y avoir un pop-up. Où que soit votre client, il y aura un petit pop-up qui va apparaître en disant j'ai une promo spéciale tel jour, telle heure, profitez-en maintenant, cliquez ici. Si la personne qui est déjà venue sur votre site web a dit ben oui, je veux recevoir la notification de votre site, ok. L'analyse du SEO, donc c'est le référencement, c'est un outil qui va vous permettre d'analyser, de faire un audit de votre SEO, de votre référencement naturel, ce qui est quand même incroyable. La carte chaude, un outil fantastique pour savoir où cliquent vos prospects. Les commentaires, vous pouvez mettre une fenêtre de commentaires en dessous de vos vidéos pour que vos clients y mettent leurs commentaires et du coup que vous récupériez leurs idées, leurs mots pour vous en servir sur de prochains, sur votre webinaire live, si vous faites un webinaire perpétuel ou sur vos lancements de produits, si vous faites des lancements perpétuels également, vous pouvez vous servir des commentaires que vous ont fait vos clients sur vos différentes vidéos, bien sûr, qui sont des précurseurs d'achat, évidemment, pour vos clients. Ensuite, les messages planifiés sur les réseaux sociaux, les autoréponses, enfin, il y en a beaucoup, et un qui est assez sympa, enfin, il y en a plusieurs qui sont assez sympas, en fait, ils sont tous géniaux, mais je vous laisse le temps de le regarder. Pour vous inscrire, c'est juste en dessous, le lien qui est juste en dessous, c'est très facile. Sachant qu'en vous inscrivant, vous ferez partie de Builderall en France et également en partenariat avec Builderall France Academy, qui va vous donner gratuitement toutes les formations en français sur tous les outils. Voilà, simplement, le seul truc, c'est vous inscrire avec le lien qu'il y a en dessous. C'est très très simple. Le générateur de script, si vous avez le syndrome de la page blanche, grâce au générateur de script, vous pourrez commencer des phrases comme un copywriter. Hein, voilà, des phrases qui accrochent beaucoup plus. La preuve sociale, vous savez, la petite pop-up en bas à gauche ou à droite, où vous voulez, qui va s'afficher en disant « un tel a acheté tel produit, un tel a acheté un produit génial ». La roulette, qui est quelque chose qui est assez demandé dans le e-commerce, dire « tiens, la roulette, boum, vous avez gagné 10%, félicitations ». Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses également. Le constructeur de blog. Donc si vous voulez l'installer sur votre bureau, c'est très simple, vous allez cliquer dessus et puis vous allez cliquer sur installer. Bon, là je l'ai déjà installé pour gagner du temps. Vous allez cliquer sur installer et puis ça va l'installer. Là ici il me demande si je veux le retirer ou pas. Mais non, j'ai pas envie de le retirer parce que je l'ai déjà installé. Donc je vais revenir sur mon dashboard. Hop, juste le temps que ça se charge. Et puis vous allez voir que tous ces outils sont complètement installés. Donc il me dit de patienter un petit moment, il est bien gentil. Voilà, et j'ai installé toutes mes applications. Ok, donc le glisser-déposer, le canvas, tout ça, toutes les applications que moi je me sers, je les ai installées. Ok, si je veux changer de place, je change de place. Si par exemple le e-learning, je l'avais en numéro 1, je la mets en numéro 1. Si le e-commerce, je suis un e-commerçant, je le mets en numéro 1. D'accord ? Le sidebot, je le veux en numéro 4, je le mets en numéro 4, je fais ce que je veux. Vous voyez, c'est très 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 simple de manipulation. Ok ? Donc on va aller tout de suite sur le Canvas, qui est un outil qui est juste génial. On va créer très très rapidement un tunnel de vente. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir la puissance de l'outil, à quel point ça peut être simple de faire vos tunnels de vente. D'accord ? Ok, donc je vais cliquer sur « Ajouter un tunnel ». Et puis sur le titre du tunnel, je vais mettre « Test Builderall ». France Academy, ok, description d'un tournoir pour formation, hop, je fais suivant, ok, et puis là j'ai la possibilité d'avoir plusieurs modèles d'entonnoir, donc le modèle d'entonnoir que je peux créer de A à Z, ou alors des modèles qui sont déjà créés, des modèles de webinaire, des modèles de webinaire qui donnent accès à un espace membre, des modèles de webinaire pour vendre un e-book. Donc ce sont des leads capture, hein, tout simplement, des upsell ou des downsell, des lancements de produits avec plusieurs vidéos, plus et après on arrive sur une page de vente. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tunnels possibles. Eh bien, on va tout simplement aller en prendre un qui est assez compliqué, comme ça vous allez voir un petit peu.
la difficulté, enfin la facilité qu'on a de mettre en place cet outil. Vous allez voir que c'est excessivement simple. Donc là ici, regardez, webinaire enregistration, donc on va s'inscrire ici, on arrive sur une autre page qui va nous envoyer directement, donc ça va nous envoyer un mail de confirmation. Ce mail de confirmation va nous envoyer sur l'introduction, ensuite le webinaire, après le webinaire, une page de paiement, la page de remerciement et la page d'accès membre sécurisé. D'accord? Impossible d'y aller si vous n'avez pas payé. Ok? Donc si on veut l'exporter, eh bien, on va le créer, on va créer le site web et puis vous allez voir tout simplement que le site va se créer tout seul. Ok? Donc là, je mets test BFA, Canva, hop, voilà, je le crée. Et regardez la simplicité du truc, ça se fait tout seul, ça se charge, c'est bon, il a été généré avec succès. On peut y accéder sur le tableau de bord avec Pixel Perfect et mes sites. On y va. Voilà, il va charger. Donc là, il se charge automatiquement. Et en attendant, je vais en profiter pour aller voir si c'est bien mis sur mon site, le glisser-déposer Pixel Parfait. Hop, je vais y entrer dessus. Et vous allez voir comme c'est facile. Ensuite, il n'y aura qu'à vous à remplir tous les champs. Tout simplement. Regardez, test canvas BFA. Incroyable. Il est là, ok? Donc si vous voulez le modifier, vous cliquez ici. Mais vu que j'ai déjà cliqué sur à l'accéder au site, eh bien le voici. Tout simplement, ok? Donc là ici, le site est vierge. Il n'y a plus qu'à le remplir de manière excessivement simple. Toutes les formations pour maîtriser cet outil sont sur builderallfranceacademy.com et vous aurez accès gratuitement, autant pour les plus débutants que pour les plus confirmés, à toutes les formations. Et comme ça, en moins d'une semaine, vous pourrez maîtriser l'ensemble de l'outil et mettre votre site en ligne rapidement et envoyer des séquences d'emails. Ok? Ça, c'est important à savoir. D'accord? Donc, si par exemple, je vais simplement regarder l'arborescence. Voilà, le default layout. Donc, ça, c'est le layout, la mise en page principale sur lequel j'ai la page d'inscription, la page de confirmation d'email, le webinar indoctrination. Ok? Donc, l'introduction. Et ensuite, le broadcast. Et enfin, donc c'est en anglais, mais je voulais vous montrer la manipulation pour le mettre en français. Et la page d'accès membre sur lequel, eh bien, vous y mettrez votre contenu payant. Ok? Voilà, donc si on veut changer la langue, eh bien, c'est très très simple. Website settings, ici. Et puis, on va aller sur App Language. Et on va se mettre en français. On sauvegarde. Ok? On sauvegarde. Et puis, il faudra juste relancer l'éditeur HTML et vous allez voir qu'on va tout de suite passer en français. Voilà, juste le temps qu'il se sauvegarde. Boum, je le ferme. Je vais aller sur ici et je vais cliquer sur modifier. Il va se recharger et vous allez voir qu'en fait, on a exactement ce type de tunnel. Sachant qu'ils en inventent tous les jours. Voilà, ce sont des marketeurs américains qui sont super calés en termes de webinaire et en termes de marketing. Évidemment, c'est le numéro 1 au monde, hein, c'est les meilleurs. Hein. Ça, il ne faut pas dire le contraire. Et donc, vous avez créé automatiquement le truc. Voilà, vous voyez, ça y est, on est passé en français. C'est très très simple. Voilà, c'est une petite astuce, un petit conseil. Maintenant, on va simplement mettre un petit texte pour vous montrer la simplicité de l'outil. Je sélectionne le texte, je mets... bienvenue sur notre webinaire. Voilà, www.builderall-france-academy.com. Ok, donc si je veux le mettre centré, je le mets centré. Si je veux le mettre en gras, je le mets en gras. Ok, hop, je me mets comme ça. Je vais le centrer tout simplement et en dessous. Voilà, je peux mettre un autre truc, un autre sous-titre. Voilà. Inscrivez-vous avec le lien ci-dessous, en dessous, hop, pour avoir accès aux formations complètes en français. Ok. Boum, boum, ça c'est bon. Hop. Je le centre. Magique! Ok? Voilà, c'est excessivement facile à faire.
Ça marche. Donc là, du coup, vous avez absolument tout. Ici, si on veut prévisualiser qu'est-ce que ça donne, eh bien, voyons. Voyons ce que ça donnera. Ça donne ça sur votre client. Donc là, ici, on a le header au-dessus, le footer qui a rien du tout, bien sûr. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, ici, bien sûr, il va falloir l'adapter, changer peut-être la couleur d'arrière-plan. Il y a plein de petits trucs à faire, mais vous le personnalisez comme vous voulez. Encore une fois, si vous voulez créer, par contre, si vous voulez créer un nouveau site web sans spécialement passer par le canvas, eh bien vous allez aller retourner sur le pixel parfait, ok? Et vous allez choisir nouveau site web ici. Voilà, voyez. Ici, il y a nouveau site web. On va cliquer sur nouveau site web et puis on va choisir sur les templates qu'il y a de disponibles via Builderall. Et il y en a, croyez-moi, des centaines et des centaines et qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Je vous laisse le soin d'aller vraiment voir qu'est-ce qui se fait de mieux comme template. Et ils sont tous, et moi je trouve qu'ils sont tous géniaux. Par exemple, si je veux regarder celui-ci qui a l'air assez sympathique, eh bien je le regarde. Tout simplement comme ça. Alors juste le temps qui se charge. Je vais en attendant regarder. Hop là, le regarder comme ça. Voilà. Hop. Et voilà, pour une barre par exemple, voilà. Donc là, il est en train de se charger encore. Ma connexion est un petit peu légère, donc c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Mais on voit tout de suite en haut le logo que vous pouvez mettre, les différents réseaux sociaux. Voilà l'arrière-plan qui est très sympa. Vous voyez que l'arrière-plan il reste fixe. Ok, vous faites ce que vous voulez. À propos de nous, voilà. Je veux dire, c'est assez sympa comme template, vous pensez pas? Avec des petites animations super sympas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez et le connecter en moins de 10 secondes. Il suffit de cliquer sur connecter. Voilà. Évidemment, il vous faudra mettre votre, il vous faudra mettre votre, comment ça s'appelle, vos textes, hein, et vos accroches. Et bien sûr, ça c'est tout à fait naturel. On va pas le laisser en français. Ok, voilà. C'était cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu la simplicité, les outils que Builderall vous apporte. Vous pouvez faire tout votre web marketing grâce à ça. Moi, je m'en sers personnellement, autant pour vendre mes e-books que pour vendre mes formations. N'hésitez pas, inscrivez-vous en dessous. Vous avez la possibilité de tester la plateforme pendant 7 jours gratuitement. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il faudra prendre un abonnement, mais qui est le plus complet et le moins cher du marché. Vraiment, n'hésitez pas, c'est une plateforme extrêmement puissante et plus vous allez la tester, mieux ça sera. Inscrivez-vous en dessous et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous bien sûr et puis je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!